C'est ici que l'aventure commence. Bonjour à tous. Nous sommes en pleine bataille dans les airs. Le Draren Chief de nos amis est attaqué par deux petits Draren Chief avec à leur bord des dizaines d'hommes, des sbires, d'Agualon encore eux, des corbeaux noirs. Leur Draren Chief est attaqué, il est en feu, il a été percé par plusieurs coups de canon. La bataille fait rage dans les airs. Le bateau, votre navire, votre Draren Chief est en train de pencher vers la gauche. Je vais vous demander bientôt, dans quelques instants, de me jeter un jet pour pas passer par-dessus bord. Sur le pont du bateau, alors que les flammes commencent à attaquer le bois, Réoda et Terua sont au niveau du scorpion, au niveau de la baliste. Ils ont tiré sur un des Draren Chief. Ravana venait de découvrir dans les cales des barils d'huile et des poudres. À l'arrière, dans la cabine du capitaine, Taliesin est en train de rassurer une pauvre demoiselle et de la charmer, alors qu'il venait, grâce à son don de barde, de découvrir que la voix d'un homme lui parlait. Allez, on reprend. Tous, je vais vous demander un jet de dextérité, difficulté 5. Le bateau vient de faire. Vient de se pencher et presque, comme ça à l'horizontale, vous voyez une première personne qui chute, qui s'accroche à un mât, les coups de canon continuent. Et dextérité difficulté 5. On a le vert, c'est Terua qui est parti. Un succès Terua, tu as commencé à chuter mais tu as réussi à t'accrocher à la baliste. Violet, c'est Ravana. Ravana, pareil, tu étais en bas au niveau des cales, il y a une caisse qui est venue s'éclater contre toi. Et t'as réussi à repousser les autres. On a Réodai, 3 succès. Réodai, il reste sur la baliste, c'est même mieux que ça. Alors que le navire est en train de chavirer, il a fait signe au soldat qui pilote en lui indiquant le cap et le bateau est déjà en train de se redresser. Taliesin, comme un maître, il a suivi la chute, il a pris la main de la jeune femme qui tombait et ils ont commencé une danse incroyable. Un flamenco endiablé tout en suivant la chute du Draren Chief. La belle robe de la jeune femme a volé, le sourire éclatant de Taliesin. Les garçons, nous sommes sur le pont. C'est à vous de jouer. Il reste un tour avant qu'il se passe quelque chose. Réodai, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux impacts juste à côté Terua de toi. Qui est toujours avec moi. Terua, il est avec toi. Il venait de s'accrocher. Grâce à toi, le navire s'est remis. Ok, il est là. Il est au niveau de la baliste. Que fais-tu? Là, on n'a pas grand chose à faire pour l'instant tant qu'ils viennent pas nous voir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faudrait que j'aille les prévenir. J'aimerais aller les prévenir qu'il y a du matos c'est intéressant. Trucs, ouais. Surtout à Red Dice, ah oui, lui va savoir exactement quoi faire. Bien sûr, avec, Ramana, si tu veux, tu peux aller les prévenir, bien sûr. Ouais, je vais remonter. J'ai envie de dire, ça fait un peu scénario, mais voilà, sinon je disais, ouais, je vais aller voir si quelque chose de la soute. Bien sûr, un peu scénario. Je vais remonter effectivement de la cale et je vais prévenir Réodai de l'huile que j'ai trouvée, ainsi que la poudre, etc. Je rappelle, 3 bidons d'huile et un bidon de poudre énorme. Ok, Réodai, vous avez entendu le soldat qui est avec vous aussi d'ailleurs. Mm. Alors, et je vais aller je vais aller voir le capitaine qui est devant la porte, du coup, c'est ça? Ouais, il est en panique, il est blanc comme un linge. Et je vais aller le secouer un peu en lui disant de commencer une procédure d'atterrissage d'urgence en fait. Enfin, genre que là, il va falloir qu'on arrive à se poser avant que... Oui. Ok, il cherche partout, il est hyper complètement ses repères. Il voit son soldat qui est en train de diriger... Et je lui mets une claque, pour vraiment le... Ouais, ok, il court, alors tandis que les flammes viennent d'apparaître devant la porte. Ok. Réoda, Terua, vous avez été informé pour les barils. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je vais descendre, aller voir un petit peu ce qu'on peut faire. Peut-être que Terua, tu pourrais m'accompagner avec ta force pour m'aider à remonter tout pour ça. Pour les remonter, parce que ouais. Des barils ou des trucs vendus. Le soldat avec vous, Marc, comme nous l'avons appelé dans l'épisode précédent, est avec vous, il vous suit. Ok, je peux vous aider. Il commence à prendre un baril. Combien on en monte?
Il y a deux balises, donc on peut peut-être commencer par deux déjà, ou quatre, okay. Histoire d'avoir au moins deux tirs de chaque. J'en ai trois, peut-être monter quatre, trois barils. Oui, il y en a quatre, okay. Ouais. Vous montez les barils, les garçons. Avec ces barils, que voulez-vous faire? C'est des barils de poudre. Alors, il y a un baril de poudre. Et d'huile. Et du coup, deux barils d'huile de baleine. Donc, très inflammable. Le truc, c'est que si on balance juste les barils, il va rien se passer, quoi. Enfin, en tout cas, sur un des deux bateaux, quoi. Alors, il y en a si un qui est en feu. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être destructeur. Encore une fois, il faut créer des bouteilles, récupérer. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'alcool? Ils doivent coller, les mecs, tout dans les mains. Bien sûr. On peut peut-être essayer de mettre l'huile au moins déjà pour commencer dans des bouteilles d'alcool et essayer de les éclater s'ils sont à portée de lancer de bras, on va dire, de lancer à la main. Est-ce qu'on peut les éclater contre la coque et contre les bateaux pour les marins de lancer? Maintenant, et par-dessus ça, essayer de lancer quelque chose. De plus en plus proche, c'est carrément possible. Et pourquoi pas enduire une des flèches les flèches des scorpions avec ça et les enflammer juste avant de tirer? Carrément. Ouais, il y a ça aussi, mais le problème c'est que c'est une flèche par une flèche. Quoi. Le truc c'est que c'est pas réussi à choper. Flamme, quoi. Ouais. Pas enfin, de choper celui qui est mort en feu, quoi. Il y en a des deux qui est mort. Genre Réoda, il arrive, il te fait des cocktails Molotov un peu, et genre, allez-y, lancez tout ce que vous pouvez. Voilà, canarder. La balance, on met partout, et du coup après, il n'y aura plus qu'à balancer une allumette, quoi. Réoda, de jeter le premier cocktail, le soldat va en jeter un aussi, et Réoda de tirer la première flèche qui est enduite. L'idée de Talisin est bonne aussi, quoi. On peut mélanger les deux, quoi. Carrément. Des flèches enflammées et des espèces de cocktails, quoi. Moi je tire sur celui qui a pas de flamme, quoi. Sur celui qui est encore intact, quoi. Et Réoda, tu vises celui qui est déjà enflammé ou celui qui ne l'est pas encore? Même le c'est quand même de limiter un peu la casse. J'ai une question par contre, j'ai peut-être pas écouté. Est-ce qu'il nous attaque? Est-ce qu'il tire quelque chose? Il tire des canons, ouais. Et tiens, c'est vrai que possible que tu vois pas les maps, toi. Ça fait... Parce que Lino, avec la Thaïlande, il les voit pas. Mais du coup, La musique, j'ai pas, mais les maps, j'ai. En gros, il y a déjà une bonne dizaine d'impacts sur le bateau, hein. Déjà. Ouais, il vous canarde au canon. Moi, je voudrais faire autre chose. Ça, c'est l'idée, donc je mets tout le monde à contribution avec les cocktails, etc. Ouais. Mais moi, par contre, je voudrais utiliser ma pipe pour le coup. Ah, ok. D'accord. Tu veux l'utiliser où et comment? Alors, je voudrais me mettre au centre du bateau, ou plutôt là où ils sont. Ils nous entourent, les deux autres bateaux? Ouais, c'est ça. Sur les flancs, ouais. C'est ça, exactement. Alors, je vais me mettre au centre du bateau et je vais essayer de l'allumer pour créer ce nuage de fumée pour qu'il englobe tout le bateau. Carrément. Et en plus, ça leur permettra de ne pas voir l'endroit où est le réservoir d'Ave. Voilà, au moins ce genre. Voilà. Qu'on puisse être un petit peu caché, quoi. Les premiers cocktails vont être lancés. La flèche va bientôt être lancée. Je viens dans la cabine, Teruya, tu es avec. Ça secoue. Talisin, ça secoue énormément. Tu es avec la dame en train de danser. Oh, le navire s'est stabilisé. Elle a des yeux. Elle regarde derrière toi. Oh mon dieu. Monsieur derrière. Je retourne. Derrière, tu sais, il y a des petits vitraux. Tu aperçois un bateau, un navire qui fonce vers vous à une vitesse phénoménale. Que fais-tu? Bah, je lui prends le bras et je cours vers le pont du bateau. Ok. Quand tu sors la porte claque. Tu vois des flammes, tu traverses le héros avec cette belle demoiselle qui est là. Oh ah bah là, ça c'est terminé. Ça, sa robe est en train de voler. Elle vit le conte de fées, le conte de l'aventure. Talisin vient de sortir dans les flammes. Tu vois toutes ces flammes, les canons qui partent. Que fais-tu, Talisin? Tu pourras faire ce que tu voudras, Coco. T'es un héros dans les JDR. Mais non, c'est pas l'idée. Et bah, je me mets contre une des parois du bateau. Ouais. Et je crie attention à l'impact. Vous avez entendu ça, les garçons? Avant quoi que ce soit. Réodai, la fumée est partie. Teruya, un des 10, s'il te plaît. Et je vais jeter un des 10 pour les cocktails. 7. 1. La flèche est partie. Pff, malheureusement, elle rate sa cible. Pff, elle est partie complètement à côté. Par contre, il y a 6 cocktails qui ont été lancés. 3 vont atteindre leur cible. Pff, ils explosent sur le navire. Et c'est à ce moment-là que vous avez entendu Taliesin dire « Préparez-vous à l'impact. » Par réflexe, ceux qui sont à côté du scorpion, etc., vont se tenir.
En effet, vous entendez un immense choc. Votre Dragonship est tapé à l'arrière, projeté à plus d'une centaine de mètres, tellement que le choc est violent. Vous avez entendu des morses, des éclats de bois, de verre. Toute la cabine du capitaine a été explosée, éventrée. Ce qui fait que votre Dragonship est d'ailleurs, avec un appel d'air, en train de s'effondrer. Quand soudainement, les garçons, au même moment, vous allez entendre quelque chose. Quelque chose de terrifiant. Les garçons, soudainement, vous entendez un bruissement terrifiant. L'air est fendu, brassé, frappé par une force titanesque. Ce grondement est semblable à un battement d'ailes. Une créature qui pourrait faire la taille d'une colline. Puis une ombre passe juste au-dessus de Taliesin. Ça couvre votre Dragonship d'obscurité. Celle-ci ravale toute lumière et étreint vos cœurs d'effroi. Dans son sillage, une rafale de vent provoquée par le battement de ses ailes vous met tous à terre. Des hurlements se font entendre. Ce sont les pirates noirs. Ils ont compris. Un monstre gigantesque fond sur eux, déchirant les nuages, fondant de tout son poids sur leur navire. Ce n'est pas un monstre. Mon Dieu. Seigneur, c'est un dragon. Une créature d'un autre temps. Ses écailles sont noires comme l'ébène. Le majestueux Drakani crache enfin une colonne ardente de feu rougeoyant sur le Dragonship des pirates, qui s'embrase aussitôt. Puis le monstre est rejoint par une cohorte d'une dizaine de dragons, plus petits, mais tous montés par des chevaliers. Le spectacle est terrifiant. Les cris des pirates en train de brûler vifs vous serrent la gorge et le cœur. Les braises parcourent le ciel, le feu, la flamme et la fumée noire est aussi terrifiante que la pire vision des enfers. En quelques minutes, les navires pirates sont écrasés et leurs carcasses enflammées s'effondrent en direction du sol dans un balai ardent. L'immense dragon noir s'arrête enfin devant votre navire. Il est chevauché par un homme portant une large cape rouge et noire, et les yeux de l'homme sont parcourus de braises et d'éclairs. Et il fixe Terua. Terua, tu as reconnu l'homme. Ah oui, tu l'as reconnu. Il s'agit de Dragan, le dernier Drakani, le dernier chevaucheur de dragons. Dans un passé lointain, au temps des guerres d'hiver, cet homme t'avait sauvé la vie à toi et à un certain Noltar, tandis que vous étiez en train de fuir un démon. Mais ceci est une autre histoire que nous raconterons peut-être très prochainement dans un one-shot, qui sait. Notre présent est trop préoccupant pour l'aborder encore. Après avoir fixé ton regard, les dragons se retirent dans un fracas incroyable, plongent vers les cieux, se confondant et disparaissant avec les nuages. Malgré cette vision extraordinaire des dragons qui sont venus, sortis des cieux, vous sauver, à peine sont-ils repartis qu'il y a un autre problème à régler. Votre Dragonship est en train de chuter. Que faites-vous ? Alors là, c'est plus Réodai qui peut être capable de le réparer. De réparer voir, un truc ou pas, ouais, de situer, enfin, pas de le réparer parce qu'il a pris trop de dégâts, mais au moins d'assurer stabiliser, qu'il, ouais. Stabiliser, ouais. Puisse se poser sans trop de dégâts, quoi. Tout à fait. Si j'ai bien compris, on a quand même pris un impact assez vénère, là. Ah ouais, donc derrière, c'est vénère, ouais. C'est vénère. Alors, c'est clair que stabiliser, il pourrait y arriver, mais il va falloir lui donner un coup de main, ou en tout cas de donner un coup de main en haut, au pilotage. Vous serez pas trop, parce que vous voyez le gouvernail d'ici. Le Dragonship est tellement endommagé qu'il tourne à une vitesse phénoménale. En fait, il fait des ronds comme ça, et votre Dragonship, tout en tombant, fait des espèces de cercles comme ça. Que faites-vous, excusez-moi La machinerie, elle est touchée. Ouais, la machinerie est touchée. Alors. Bah, du coup, moi, je descends la machinerie, ouais, pour voir est-ce que je peux au moins redémarrer les moteurs, qu'on ait au moins de l'énergie, parce que sans énergie, c'est mort. Carrément. Je veux bien, s'il te plaît, un jet d'artisanat plus intelligence, difficulté 6. Les garçons, pendant ce temps-là, sur le pont, qu'est-ce que vous faites ? Vous entendez le capitaine et le soldat en haut en train d'hurler « Aidez-nous ! Aidez-nous !» Ils essaient de maintenir le gouvernail. Je vais appeler Terua avec moi. Ouais. Je vais lui dire viens avec moi pour qu'on aille tous les deux au niveau du gouvernail, justement. Ok, ça marche. Et j'accompagne avec grand plaisir ma Ravana préférée. Et une fois arrivé au gouvernail, en fait, je vais essayer d'invoquer en fait ma faux de façon à ce que ça bloque en fait et qu'on se mette chacun d'un côté pour essayer vraiment d'intercepter pour forcer ça marche. Pour faire contrepoids avec Terua en fait. Un jet de magie, je rappelle, un jet de magie c'est un D20 plus le nombre que tu as en magie.
s'il te plaît, avec une difficulté à 11. Thalassine, pendant ce temps-là, tu es en bas. Elle te serre. Il y a un appel d'air, vous savez, comme quand on fait ses rêves où on chute, où ça vous prend comme ça. Il y a eu un appel d'air gigantesque. Qu'est-ce que tu fais, Thalassine? Joli, ça. Je la serre dans mes bras, je la réconforte. Ouais, donc ça va bien se passer. Vous êtes sûr? Ok, t'as le bateau qui est comme ça, et lui, il est... Bien sûr que ça va bien se passer. Ce que je fais, c'est que je lui mets un petit coup derrière la nuque pour la semer. Ok, ça marche. Elle est comme ça. Vous êtes sûr? Elle tombe au sol. Allez, fais dodo. Voilà. Et je la laisse là, je me lève. Ouais. Affaire conclue. Voilà, je pousse mes vêtements. Ouais. Et du coup, je me dirige vers les voiles. Ah! Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier au niveau des voiles? Ah, l'une d'elles est bien endommagée, mais l'autre est encore intacte. Je vois, elle prend encore le vent, elle est déployée. Elle est déployée, mais elle est dans le mauvais sens. Elle prend pas le vent. Ok. Donc, je vais essayer d'aller manuellement à un des coins de la vague, de la voile, ouais. Et utiliser un petit peu ma vision des vibrations pour essayer de la retendre dans le sens inverse pour stabiliser. Je vais pareil, je te demande un dextérité plus magie, donc du coup pas de D20, dextérité plus magie comme d'habitude avec des D10, avec une difficulté de 6. Et nous allons voir les résultats de tous les dés en même temps et de comment ça va se passer. C'est lancé. Et... Oh, j'ai vu un 10. Ok, ouais. On va commencer par la voile. Vous avez vu Thalassine mettre la main comme ça sur la voile, sentir les vibrations, sentir le sens du vent. Tiens, sentir le sens du vent, ça rappellera peut-être quelque chose à ceux qui regardent toutes nos vidéos. La voile se met à gonfler. Le bateau prend de la vitesse au même moment. Réodai derrière, en bas, vous avez entendu des immenses fracas. Vous avez entendu aussi des grognements. Apparemment, Réodai s'est énervé. Ça, tout n'a pas fonctionné au début, c'était compliqué. Il y a des trucs qui ont pété. T'as la gueule qui est complètement noire de cambouis des machines. Mais vous entendez un immense vacarme. Une fumée qui sort des côtés du Redshift. Le moteur est relancé au même moment. La foule en nombre de Ravana est venue bloquer le gouvernail. Teruya, il manque plus que toi. Un jet de force, s'il te plaît, pour essayer de maîtriser ce gouvernail. Sans difficulté, tu me jettes, on regarde ton résultat. Du coup, c'est quoi, difficulté 0 pour l'instant? Ouais, aussi dans ta macro, tu mets difficulté 0. Allez, tu nous fais un beau jet. Allez, tu nous fais un beau jet. Pas fou, hein. Ça va, ouais. Alors attends, j'arrive tout de suite. Les garçons, alors que ta faux est en train de la bloquer un instant, hein, tu peux pas la laisser sortie comme ça aussi longtemps sans la maîtriser, Ravana. Teruya, tu as repris le gouvernail. T'as essayé de le pousser. Le capitaine est avec toi, le soldat aussi. Vous franchissez les nuages. Le bateau est en feu. Petit à petit, ce n'est plus que des braises et de la fumée noire. En bas, il y a Reodai qui est comme ça, avec les machines. Il prend une chaleur, il est couvert de cambouis. Thalassine est en train de maîtriser, juste avec les vibrations. La voile, vous percez les nuages, si t'es droit devant. Votre Tarenshif pénètre dans l'atmosphère de la cité de Köln, dégageant une fumée noire. Les quatre sur le gouvernail réussissent à tourner, maîtriser, grâce à l'intervention de Reodai et Thalassine, la vitesse du Tarenshif qui vient se poser, non sans dégâts, à l'endroit prévu de cette gigantesque cité. Des derniers morceaux de la coque volent. Les gens qui étaient sur le quai partent en courant, hurlent. Le bateau s'arrête. La proue vient de s'enfoncer dans le mur. Tout le monde est arrivé à bon port. Il reste plus qu'une planche. Il reste une planche. Une voile, une planche et une voile avec un mec qui commence à contrôler la voile. Bienvenue à Köln, la cité des mystères.
On dit que la sombre cité abrite les secrets les plus inavouables du Nadir. Mais ce ne sont que des rumeurs qui courent les rues pavées et les toits d'ardoises des maisons. Que n'est surtout une immense cité qui s'articule autour du Fatarain, l'immense et prospère fleuve qui parcourt la ville. Le fleuve a apporté richesse et commerce au cœur de la cité qui vit et se construit selon ses humeurs. Des pêcheurs aux marchands d'épices, du boulanger aux brasseries légendaires de la ville, enfin, au cœur de la cité médiévale, des maisons de briques noires, des cheminées crachant l'ardente fumée du quotidien, l'immense cathédrale qui a fait la renommée de la ville trône comme une montagne au milieu de Köln. On y vient de tout le continent pour y prier le dieu sans visage. Bienvenue. Bienvenue dans la somptueuse capitale religieuse du Nadir. Bienvenue à Köln, mes amis. Puisse la cité noire vous apporter les réponses que vous êtes venus chercher. Les garçons, à peine vous êtes-vous crachés, vous voyez plein de mecs arriver avec des seaux commencer à éteindre l'incendie. Plein de gens à courir pour vous aider. Les passagers qui descendent. Jette-moi un peu sur la gueule. Le mec qui sort comme ça, le mec qui sort avec la grosse fumée. Bienvenue. Bienvenue après cet atterrissage forcé à Köln, mes amis. Que faites-vous? Oh, c'est qui le pilote? Encore? Allez, on y retourne. C'est parti. Easy. Je vais aller voir le capitaine. Oh. Ouais. Je vais le féliciter d'avoir repris ses esprits et d'avoir réussi à nous faire atterrir. Et sauf, pour lui redonner un peu confiance en lui. Merci. Merci à tous. Il lui rappelait qu'on a pris, l'assurance et que du coup il va peut-être devoir raquer. Et s'il pouvait nous rembourser le voyage pour ce qu'on a fait, ça serait quand même. Eh ben sympa. Oui, non, évidemment, si vous demandez, vous aurez un remboursement. En tout cas, il y a même des gens les soldats qui ont été bien braves, qui commencent à applaudir tout le monde. Et tout le monde se prend un peu dans les bras, etc. Je t'écouterai d'ailleurs. Ouais, on félicite les soldats par contre. Ouais. Ah ouais, ils ont été colossales sur ce coup-là. Vous aussi. Tout le monde vient vous saluer, vous remercier. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Merci. Merci. Que faites-vous? Moi, je vais aller mettre ma main sur l'épaule des Roddai et je vais le féliciter aussi pour... Il a donné pour, rien. Ouais, bah pour l'attaque, puis après pour réparation des moteurs, etc. Et je vais aller le remercier d'avoir pris les choses en main. Le mec, il est couvert de noir en fumée. Ouais, bon, pour le quotidien. la fumée qui sort du crâne. Il a plus de cheveux, il n'y a plus rien. Il reste que des chicots. J'ai tout donné. Après les embrassades. À la différence de Ravana, alors, moi je. Ouais, pardon, je vais voir Taliesin, ouais. Pour lui demander un petit peu où est-ce qu'il était pendant toute cette bataille, parce que on l'a pas trop vu, il était un petit peu absent sur le pont pendant que nous autres nous prenions des boulets en pleine face, quoi. Ouais, on va devoir confronter Taliesin là. Eh ben, venez, moi je vous attends. Ouais, tout à fait, tu as raison, mon bon Terua. Eh bien, j'ai profité de là où étaient mes talents étaient les plus attendus et les plus efficaces dans ce que je devais faire et dans ce que j'avais à faire. En tout cas, je vous félicite. Vous avez tous fait un très beau boulot. Je suis pas sûr de revoyager tout de suite avec vous, par contre, dans ces conditions. Mais en tout cas, belle traversée. Ça fera encore une belle histoire à raconter. Ah, ça c'est sûr. Et je descends du bateau en faisant signe au capitaine que j'attends ce dont on a parlé dans sa cabine quand il n'était pas. Comment ça douter de la véracité de tes histoires, Taliesin. pendant que le capitaine. C'est pas un petit Gilderoy Taliesin, quoi. le capitaine s'approche avec un coffre vers toi, Taliesin, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, vos affaires sont déchargées. Force est de constater que pendant la chute, pendant les nombreuses explosions, il manque beaucoup d'affaires. Vous vous en sentez d'ailleurs pas mal, mais il vous manque au moins 3 sacs. La soute a été éventrée, il y a plein de choses qui sont tombées, il vous manque au moins 3 sacs. En tout cas, Taliesin, tu as récupéré le coffre, et le capitaine est hyper gêné. Il te salue, comme convenu. Merci encore. Et il s'en va. Merci encore.
Ravana, le nain là, le gnome, pardon, tu as perdu sa piste, il a disparu ou... Ouais, quand j'ai tourné la tête, quand on a entendu, commencé à entendre du bruit, quand je me suis retourné, il était plus là, il avait disparu. Saloperie. On a toujours l'épée ? Les affaires où il y avait l'épée, il y a plus, il te manque des fioles. Il te manque des fioles. Vas-y là. Ta mère. Il manque le morceau les morceaux d'épée, il manque la fiole. Fort heureusement, les affaires avec les recommandations de la mission, la carte de la ville, la carte des recommandations, d'ailleurs, je peux vous la montrer, que le prince Mercure vous a écrit, en gros, le déroulement de la mission, vous l'avez toujours. Et plus emmerdant, vous aviez une avance sur votre salaire, il en manque une partie. On a une idée, on a mis combien de temps pour venir jusqu'ici là ? Ça a mis quelques heures. Fort heureusement peut-être. La chute vous a aidé. C'est allé beaucoup plus vite. Vous avez été extrêmement rapide. Vous avez dépassé tous les records de vitesse avec la chute. Mais non, ça, vous avez mis quand même un bon bout de temps. Ça a mis plusieurs heures. Et vraiment, on est toujours en milieu de journée quoi. Ouais, en milieu de journée, il est entre midi et 13h. C'est ça. Ok. Je sais pas, on fait quoi ? On se pose un cul quelque part avant de repartir ou pas ? Moi, je vais dans la meilleure auberge de la ville. Si vous voulez, j'ai trouvé une somme d'argent conséquente qui, par inadvertance, est tombée du ciel. Donc, c'est le cas de dire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'accompagner. Eh bien, faisons ça. Allons trinquer devant une chopine et un morceau de viande. C'est chiant. Ah, je pense qu'on a bien, mérité un petit peu de repos, ouais. C'était un peu mouvementé comme voyage. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Cette ville, rien de particulier pour moi ? Si. Alors, ici, il y a eu... alors, pour toi, t'as pas sévi forcément ici, tu vois, des princes, etc., parce que c'est une ville qui a été meurtrie pendant les guerres d'hiver, justement. C'est là où les révolutions étaient les plus violentes. C'est un endroit où avant on voit un culte pour un dieu qui était très connu dans le Nadir et qui a été totalement bouleversé. C'est une cité qui est devenue très noire, très mystérieuse justement. Le maire change constamment, la politique est hyper instable. Et puis surtout, il voue un culte assez particulier à Köln, à l'endroit où vous devez aller d'ailleurs, dans la fameuse cathédrale. Je vous rappelle la mission, c'est de s'infiltrer à l'intérieur de la cathédrale. La cathédrale vous maintenant un culte au dieu sans visage. Le dieu sans visage est aussi appelé le dieu Nadir. C'est un dieu qui est très mystérieux, qui est assez récent dans l'univers de Prequel et qui est censé être au-dessus de tous. Et c'est la seule ville qui voit un culte à ce dieu. En tout cas, vous êtes en train de marcher vers la taverne. Le long de cet immense fleuve, le Fatarain, il y a plein de somptueux navires. Vous traversez les ruelles, en effet, l'ambiance est très glauque. On est entre le moderne et le médiéval vraiment pur, un peu à l'allemande, vous savez, du 14e. C'est très particulier, les pierres sont très noires. Il y a toujours une espèce de brume mêlée à une sorte de pollution ici. Il y a des créatures qui viennent du sud, qui sont gigantesques. Celle-là qu'on voit sur la photo, un Riesenstein, ce sont des espèces de géants qui sont ramenés du sud pour servir à un Ebenmer. Vous arrivez enfin devant la taverne Frudrar. Le slogan de cette taverne, plus il est tôt, moins la bière est chère. Vous pénétrez à l'intérieur ? Tu peux répéter le nom de la taverne, s'il te plaît ? C'est le Frudrar. Encore une fois, s'il te plaît. Alors, c'est une taverne qui existe vraiment à Köln, pour ceux qui connaissent Cologne. Que faites-vous ? Oui, beaucoup. Vous rentrez à l'intérieur, donc, les garçons ? Bien sûr, ouais. Évidemment. À l'intérieur, une ambiance très calme. Peu de personnes, il est encore vachement tôt. Quelques personnes au comptoir, ça parle discrètement. Il y a un immense foyer, un immense feu au milieu. Ça sent très bon. Ça sent le cochon grillé. Ça sent la bière, surtout. Ah ouais, elle est en train d'être brassée. Que faites-vous ? Je vais aller prendre une table. Il y a des chambres aussi ? Il y a des chambres aussi à l'étage. Je vais aller réserver une chambre. Ok.
Et puis je vais prendre les affaires de tout le monde en fait et je vais leur dire je vous rejoins à la table, je vais monter nos affaires et me débarbouiller quoi. Ok, c'est noté. Merci Ravana. Repose-toi un peu Ravana. J'ai mérité. Moi je vais avec la caisse sur le comptoir ouais. Et je la pose. Eh, bonsoir. Et je l'ouvre. Wow. Bonsoir. Et je l'ouvre devant lui. Voilà un paquet d'or. Et je lui dis, je vais être traité comme un roi ce soir. Il regarde tout le coffre, il vient de comprendre. Vous le serez, monsieur. Vous le serez, mon seigneur. Apportez tout ce que nous avons pour ces messieurs. Ce sont nos invités, nos hôtes. Peut-être nous qui regardons. Et bien sûr que la bière coule à flot. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, mon seigneur. Allez vous installer. Il y a une dame... Voilà, quelqu'un qui comprend vite. Une dame de maison qui commence à nettoyer une table, sortir les chaises... Je vous en prie, installez-vous. Vous allez à table, les garçons ? Alors, où est-ce qu'on va s'installer ? Oui, vous avez l'embarras du choix. Moi, j'aime bien les tables à notre droite quand on entre. Ah ! Il n'y a pas une cheminée quelque part ? Alors, il y a un immense foyer au milieu avec cette espèce de grand brasier, mais pas de cheminée, ce sont des fenêtres sur le côté. Ok. C'est pas mal là où je suis, non ? Moi je me suis assis. Tout seul. Ouais, moi je m'assois avec Terua, qui est un homme simple, au bon sens et au goût aiguisé. Hop, donc en haut à gauche, c'est noté. Les garçons, quand vous vous installez, la dame de maison vient vers vous. Messieurs, mes seigneurs, bienvenue à la taverne Frey. Au menu, aujourd'hui, pour ce midi, à tagine aux abricots et aux cèpes noirs. Des pommes de terre, un fondant aux fèves d'Irnor, des fruits confits, du fromage de brebis typique de notre cité, et la bière de Köln, que l'on boit comme l'on boirait de l'eau. Il est fort parce que ça donne vraiment la dalle. Je vous apporte ça tout de suite. Bien sûr. Bien. Quatre personnes, nous sommes quatre. Oh, je vais en compter six. Et vous regardez, je vais en compter six. Ouais. Enfin, moi non. Parce qu'on est bien le prendre, mais. Je peux bien t'es rien faire. Bon, ça va. Mais bon. On est où là ? Merci, héros ! On est où ? 5, à la limite 5, mais pas 6. On est où ? 6, ça me peinture quand même. Ravana, tu redescends. Tu as fait une petite toilette. Les garçons sont installés. La nourriture a été posée. Je précise juste qu'il est possible que dans les affaires que j'ai montées, il y a un truc que j'ai gardé. Ah ! Que... Voilà. Très bien. Les garçons, Ravana vient de redescendre, elle s'est toilettée, tu t'approches de la table. Vous avez été servi avec, en fait, il y a un immense pichet de bière gigantesque qui est déjà pas mal entamé. Et il y a une tradition dans cette taverne et dans cette cité. Si un brasseur passe et voit votre verre vide, il le remplit quoi qu'il se passe. Le moyen pour demander de s'arrêter, c'est de mettre le sou de verre sur le verre. Sinon, il continuera à vous servir, à vous servir, à vous servir, à vous servir. Vous êtes attablé. Les garçons, que faites-vous ? Et pareil, si c'est du vin ? Pareil, si c'est du vin, si vous voulez du vin, bien sûr. Ok. Tant que le verre est vide, c'est rempli. Alors, du coup, moi, ce que je m'adresse à... Pardon, vas-y, pardon. Je prends le sous-boc, là, le sous de verre, là. Ouais. Et je le déchire dans ma main, tu vois. Je l'éclate. Pas besoin. je l'éclate et je le jette au sol, tu vois, juste pour donner un petit peu un petit ton pour la soirée à venir. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas parce qu'il veut boire plus, c'est parce qu'il déteste les règles. C'est tout. C'est, il est contre toutes ces règles. Bien sûr. C'est noté. Bien sûr. Que faites-vous, les garçons ? Moi, je m'adresse à Taliesin, du coup. Ouais. Dis-moi, Taliesin, maintenant qu'on est un petit peu posé, on est entre nous. Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? On ne peut mieux. Et toi, Réoddaï ? Si. Mais j'insiste, je te pose cette question parce que ton comportement m'a un petit peu surpris sur le bateau pendant l'attaque. C'est-à-dire ? Tu nous as habitués à un peu plus de... Comment ? À être un peu plus entreprenant dans les situations difficiles et...
Un peu moins Riot Die sur les bords, on va dire. Ah, ah en fait, Die il est vexé parce qu'il se dit putain, moi pour une fois je me suis pas caché. Non, mais attention, ne nous prenons pas mes amis. Je suis quelqu'un qui joue la sûreté. Je suis un mec prudent, mais quand il y a besoin de moi, je suis là et je réponds toujours prudent. Présent, pardon. Ah, Riot Die, je lui mets la main sur l'épaule. Qu'est-ce que ça fait quand faut se prendre un petit peu en main et que. On ne dépend plus des autres. Ça fait bizarre, hein? Eh ben, bienvenue dans mon monde. Mais tu le sais, Dai, comme toi et comme tu l'as souvent fait lors de nos précédentes missions, j'ai essayé de penser à ce qui était le mieux pour le groupe, voire aussi un petit peu pour ma personne. Et je comprends tes précédentes réactions. Ça fait du bien et c'est agréable. Et détrompe-toi, hein, je n'ai jamais eu l'étoffe et la dignité et l'envie d'être un héros. Je n'en suis pas un d'abord, d'ailleurs. C'est qui fait partie de notre guilde des bardes. Avant tout, pensez à l'histoire, mais surtout, pensez à celui qui pourra la raconter. Or, si demain je meurs, qui racontera les histoires? Tu comprends bien, Dai, que dans ces circonstances-là, j'ai laissé aux personnes les plus à même de remplir ces situations les pleins pouvoirs. Et quand vraiment mon utilité s'est fait sentir, j'ai essayé, comme je pouvais, de donner un petit peu de ma personne. Mais bon, encore une fois, je lui mets la main sur l'épaule. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, Riot Die. Et je bois. Non, c'est sûr. Pour répondre au fait de se prendre en main ou pas, alors que tu te lavais dans des billets et dans des pièces d'or, moi, je croupissais dans des caniveaux d'une ébène mère. Alors bon, je pense qu'avant même que tu commences à te laver les fesses tout seul, j'étais déjà autonome. Mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, je veux être sûr qu'on peut encore compter. Bon, bien t'en fasse. Et là, le principal, c'est que je dois reconnaître quand même que tu as survécu. Tout le monde a survécu. J'aime pas trop ça. Ah, mais Riot Die, sans le doute, nous ne vivrions pas. Si tout était certitude et tout était certain, qu'est-ce que nous pourrions faire? Mais sache en tout cas que, de la même façon que n'importe qui, les intérêts de chacun sont remis en question. Les intérêts de chacun doivent être questionnés et aujourd'hui, les intérêts du groupe ont dominé. Tant mieux, nous sommes arrivés en un seul et même morceau. Mais sache, encore une fois, Dai, contrairement à ce que tu sembles penser, je n'ai pas l'étoffe d'un héros, je ne serai jamais un héros. En tout cas, Taliesin, j'espère que ton chant qui racontera cet accident de vaisseau aura une place toute particulière dans ton récit pour compter à quel point il nous a été utile et nous lui sommes reconnaissants aujourd'hui. Riot Die, non, mes amis. Pas particulièrement, tout le monde aura cette place. Riot Die, Ravana. Je n'ai rien fait de particulier. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a raconté les matelots. Même si c'est très gentil de ta part, Ravana, honnêtement, je ne cherche même pas la gloire ni rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que notre groupe reste soudé et vous êtes la seule famille que j'ai ou que je n'ai jamais eue, et donc je veux être sûr que je peux compter sur chacun d'entre vous. Bien sûr. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai senti peut-être Taliesin que tu n'étais pas là. Et c'est pour ça que j'ai comme ce petit doute. Je ne veux pas que tu sois un couard comme je peux l'être moi. Je ne suis pas un exemple à suivre. Au moment où Riot Die a parlé de ça, Riot Die, c'est pas. Ça lui arrive d'être sérieux, hein. Mais sur son visage, c'était une expression nouvelle. Au moment où il a dit « Vous êtes ma seule famille », qu'il a parlé de ce sujet-là, son visage s'est transformé. Il est devenu très grave, très sérieux. Puis il s'est repris juste après. Que fait-il ? Mais bon, tout ça, bien sûr, merci pour ton aide au niveau de la voile. Taliesin, tu as montré qu'on veut compter sur toi. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Moi, ça m'a touché quand il parle de famille, que ce groupe, etc., c'est sa seule famille, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche et qui me... Voilà, donc je le regarde et sans rien lui dire, je lui montre juste qu'il peut compter sur moi et voilà. Je vais me lever, je vais aller, faire un tour de la taverne pour essayer de l'auberge, pour voir, pour inspecter chaque personne. Voilà, pour voir de quoi ça parle. Je suis méfiant depuis l'attaque depuis l'attaque de la dernière fois. Je sens que, et puis le vieux monsieur qui avait dans la ruelle m'avait prévenu qu'il y a des gens
qui nous enfin qu'on portait une marque et que le, qu'il y avait des trucs qui se tramaient derrière nous et donc du coup je fais juste une, pour qu'on puisse rester là tranquillement je vais m'assurer que tout se passe bien ici et qu'il n'y a personne de louche. C'est noté. Vous voyez Ravana qui se lève, je reviendrai vers toi dans quelques secondes. Ravana qui va aller faire un tour dans, dans la taverne, prendre un peu la rumeur de la taverne. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Ah, moi, je vais rebondir un peu avec ce qui s'est passé là, toute cette petite scène qu'on a eue il y a quelques instants là. Et plutôt d'un ton moqueur, je ricane un petit peu de mon côté en disant quelque chose comme écoutez-vous, on n'a plus affaire à des aventuriers, on dirait plutôt des petites filles en train de raconter leurs histoires. Je suis à deux doigts de chialer. Je me moque un peu de ça, je reprends ma bière et je m'enfile une immense, voire deux, trois gorgées, j'en bois beaucoup. Plutôt que de raconter ce genre d'histoire, n'hésitez pas à boire des coups. Ça fait un peu beau, c'est un peu lourd, tu vois. Surtout qu'on a plus de boc, donc me faites pas passer pour un con. Vous avez remarqué quelque chose d'une transformation chez Terua. Je rappelle que Terua, c'est un druide Nice, qui est un peuple très ancien, qui se transforme peu à peu. Sur sa chair se transforme peu à peu en écorce. Il semblerait qu'il y ait eu une avancée, peut-être le stress, peut-être la fatigue de ces derniers jours sur son cou. Ça s'est pas mal transformé en écorce et il y a une léger fuite de bière qui passe à travers son écorce, qui va rajouter pour sûr à l'odeur extraordinaire que dégage Terua un fumet délicat qui ne sera pas négligeable avec tous les autres que tu traînes depuis quelques temps. Pendant que Terua boit à la santé de ses camarades et propose de boire avec lui. Ravana, tu as fait le tour de l'auberge. Ça se passe, les gens vous regardent pas forcément. Ils parlent un peu de tout et de rien. Beaucoup, encore une fois, de tout ça. Il y a toujours le même nom qui revient, d'ailleurs, la personne que vous avez rencontrée, Aurune Ragnar, avec un peu plus de détails. Ça parle du fait que la princesse Scylla, et c'était pas présenté comme ça, comme une princesse, était héritière de l'Ouest et a repris, grâce à l'aide de Nebenmer, le trône de l'Ouest. En fait, pour être plus précis, puisque tu es avec eux, tu les entends parler, pour être plus précis, le royaume de l'Ouest a été annexé par le royaume de Nebenmer. En gros, Nebenmer envahit sans faire la guerre. Le royaume de l'Ouest, en disant au peuple de l'Ouest, vous êtes gouverné par des... Ce qui était le cas, on a vu ça avec l'autre groupe, par des gens qui étaient absolument pas compétents. Vous voulez le retour de la famille du Loup Blanc? La voilà. Et ils ont remis Scylla sur le trône. Ce qui est embêtant, c'est que ça fait beaucoup. Ils ont envahi le sud, ils ont annexé l'ouest, ça commence à grandir, très sérieusement. Mais, force est de constater qu'ils ne font pas la guerre. Voilà ce que tu as retenu, sinon rien de particulier. La fatigue commence par contre à tous vous guetter. Puis peut-être une appréhension aussi de cette mission. Une appréhension de cette mission parce que... Ah quand même, ça fait beaucoup, hein, ça commence à un petit peu tirer. Hein. Bon, vous avez survécu à un crash... Et puis il y a eu tout ça, comme tu disais Ravana, le sentiment d'être un petit peu suivi par tout ça. Par contre, vous le traînez tous. Ouais, la fatigue commence à arriver, en même temps que l'alcool commence à faire effet. Les yeux commencent à piquer, un petit peu. Et on quittera d'ailleurs vos personnages à la fin, bavardant et balançant certainement de bonnes phrases grivoises ici et là. Tandis qu'on commence déjà à plus trop comprendre ce que nous explique Terua. Terua a une descente qui est assez phénoménale, rendue à la 8e pinte. Sa voix se transforme plus en des rogola. Quand c'est comme ça, généralement, il finit par s'endormir sur la chaise et Rodai l'accompagnera gentiment au niveau de son lit. Mais avant de se coucher, dans un dernier élan, dans un dernier moment de lucidité, avant de vous endormir, vous aurez reparlé de cette mission, justement. Dans vos affaires, vous avez deux choses. Cette lettre écrite par le prince Mercure, que je vais lire pour les gens qui nous écoutent, avec un ordre pour procéder, pour arriver jusqu'aux catacombes et jusqu'au portail où vous devez aller avec l'amulette. D'abord, il faut accéder au toit du dôme. Le dôme, c'est le nom qu'on donne à la cathédrale, par la façade est. En haut, suivre les gargouilles aux gueules béantes jusqu'à l'ouverture du pigeonnier. Un escalier d'acier conduit jusqu'aux portes béantes, l'accès aux catacombes. Nos hommes auront ouvert la voie. Soyez prudents à l'intérieur des catacombes, on dit cet endroit maudit. Rejoignez la salle du grand dôme depuis les catacombes. C'est là que se trouve le portail. Et puis si vous le désirez, les garçons, vous avez aussi, comme chaque fois dans vos missions, une carte de la ville qui a été faite par le maître archiviste Incarnate, qui a fabriqué cette magnifique carte, la carte de Kuhn,
qui vous permet de voir à peu près où vous êtes. Donc là, vous êtes au niveau des quartiers des marchands, vous êtes ici, et le dôme se trouve là. Les garçons, vous allez vous endormir ivre, repu. Vous avez mangé comme trois. Que ça fait du bien de manger ces plats chauds, épicés, pleins de goût. C'est merveille. Vous allez dormir dans les ronflements de Ryodai et Terua. Et la légende raconte que même en dormant, Taliesin est toujours en train de fredonner quelque chose. Chantonner quelque chose. Les garçons, nous nous retrouvons le lendemain matin. La pluie commence à tomber sur la cité de Köln. Il est 9h du matin. Les yeux sont collants, les bouches pâteuses, les estomacs un petit peu retournés. Que faites-vous ? On va se mettre peut-être en route, je pense. Ouais. Bien. Ah, faut combattre le mal par le mal. Qui sait, je crois que c'est dans l'épisode 1 que vous avez dit ça. Hein. C'était terrible qu'il l'avait dit. Il fallait retourner à l'auberge plus pour pouvoir se sentir un peu mieux. Ça ressemble à la sagesse de Thierry, ça c'est clair. Ouais. Je reconnais là sa sagesse. Oh, je reconnais là sa sagesse. Que faites-vous les garçons? Je demande à l'auberge s'ils n'ont pas un anti-gueule de bois. Oh, bien sûr, vous êtes toujours entre, un smoothie mangue épinard. Oui, vous, ah, bah, moi, je vais descendre justement à la cuisine si on peut, et je vais essayer de faire une espèce de potion pour le requinquer un peu tout le monde. Là. Carrément. Alors le barman va te faire un mélange de coriandre, de menthe poivrée, Taliesin, avec quelques épices et Ryodai me disait exactement les mêmes ingrédients, mais là-dessus il va rajouter énormément d'eau et un ingrédient qui se trouve dans ses sacoches. Avec tout ça, ces cocktails assez phénoménal, surtout Taliesin, ça va te mettre un coup de Red Bull dans la face, ça va vraiment vous permettre de vous requinquer, déjà vous enlever cette pâteuse, ce sentiment un petit peu de nausée, de l'impression que le monde est en train de tanguer sous vos pieds et vous permettre de repartir de bon pied. Que faites-vous? Bah, je vais proposer qu'on aille se mettre en route pour la façade est de la cathédrale. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin de visiter autre chose dans la ville avant. Enfin... Terrien, il est là. Terrien, il veut visiter des choses. Terrien, il veut voir des édifices. Non. Au contraire, il n'a pas envie, justement. Ah, il n'a pas envie. Ouais. Dommage, il y avait un super musée, c'est pour vous. Hein. Moi je m'en tape, mais. Musée de cire là-bas, on va ouvrir de 8h à midi les c'est jeudis. Alors, la grandeur se côtoie à la majesté. Et cavalier ses colonnes. Les garçons, lorsque vous vous mettez en route, en quelques minutes, vous arrivez enfin devant l'immense dôme, la cathédrale de Köln. Un endroit légendaire, un édifice qui vous laisse penser que les hommes sont capables du plus grand, parfois du pire, c'est vrai, mais du plus grand, quand ils croient en quelque chose. L'orage commence à gronder, en même temps que la pluie est en train de tomber. Il est encore tôt ce matin, il y a peu de personnes, quelques passants, des prêtres, ici et là, des paysans, à votre droite, à votre gauche, et c'est encore un peu désert. Devant vous, la façade S se dresse, des dizaines de mètres. Ce regard énigmatique pour une façade est. Que faites-vous? Je me souviens plus. Il y a un truc, on peut en lire le. Bien sûr, je vais le remettre. Les gargouilles. Je l'ai envoyé sur Discord si vous avez besoin, les gars. Ah, mais il est trop fort celui-ci. Allez, 5 points d'expérience pour Ryodai. Allez, ça dégage. Suivre les gargouilles jusqu'à l'ouverture du pigeon. En gros, lorsque vous êtes enfin, vous serez arrivé sur le toit, ce qui est déjà pas une mince affaire, il vous est demandé de suivre les gargouilles aux gueules béantes jusqu'à l'ouverture du pigeonnier. Depuis cette ouverture, il y aura un escalier d'acier qui vous emmènera jusqu'aux portes béantes, l'accès aux catacombes. Est-ce qu'on a il y a un chemin pour monter jusqu'au toit, c'est-à-dire un chemin légal, tu vois, est-ce qu'on est obligé de... Alors, pour faire la moitié, oui, il y a moyen légalement d'arriver jusqu'à un peu près, un peu moins de la moitié, tout le reste va falloir l'escalader. Ou autre d'accord, chose, on n'a pas du tout le droit d'être là-haut, faut se faire plus discrètement. Déjà, est-ce que de là où on est, on peut localiser des gargouilles? Oui. Ouais, pour ceux qui ont les meilleures vues. Pour déjà avoir un point ou un truc comme carrément, ça. Carrément, vous les voyez, justement, en fait, ça fait comme un immense clocher, bah, je vais vous montrer. Hop, il y a deux clochers comme ça. Comme on voit sur cette image là, et sur l'est en fait, en gros, là la place des pics, ce sont les gargouilles.
Et en fait, t'as un petit parcours qui suit. Si tu vois ce que je veux dire. Tu peux peut-être t'envoler, Teruya, aller voir un petit peu comment. Ah oui, si tu te transformes en pigeon. C'est vrai ça. Voilà, un bah, petit. Tout à fait, on peut. Bien sûr. Allez, ça la dernière fois, tu t'es envolé pour rien sur un clocher là. Fais-le pour quelque chose. Ouais, mais c'était vachement stylé. Hein. Oui, et puis c'était de l'entraînement. C'était pour ce moment-là en fait. Ouais, 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 ça nous a mené ici en fait. C'était pour chier sur Eodai. Teruya, vous voyez des plumes qui s'envolent. Une traînée d'ombre. Un oiseau. Quel oiseau, Teruya? Ah, peut-être un peu mieux que le moineau, on peut dire. Un pigeon. Un pigeon. Une buse. Oh, attention, on a upgradé. Une buse. La buse s'envole. Une galinette cendrée, non? Le hibou de Galéade de la saison 1. Il s'envole. Tu survoles la cathédrale. La vue est magnifique, Teruya. D'ici, tu vois toutes les gargouilles, les éclairs qui parcourent le ciel. La voie est dégagée. Et nous voyons Teruya qui survole l'immense clocher. Il y a un accès. Il y a un endroit où, avec vos cordes, vous pouvez escalader presque en toute sûreté. Mais on verra ça au prochain épisode. Écran noir.